laboratoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient de vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. Tu penses que l'histoire est figée ? Qu'elle est et demeurera toujours égale à elle-même ? Immuable ? Après tout, 1492, découverte de l'Amérique par les Européens. On n'y reviendra plus et personne n'y pourra rien changer. Comment pourrait-il en être autrement ? Ben justement, détrompe-toi. Il pourrait bien en être autrement. Souvent, on oublie de te le dire, mais quand tu apprends l'histoire, c'est pourtant essentiel. Et ça nous éviterait bien des conflits. Petite mise au point. L'histoire, en français, signifie deux choses. L'histoire, c'est d'abord les événements du passé, les faits. Là, on est bien d'accord, une date, un événement. Mais c'est aussi la tentative d'aujourd'hui d'expliquer ce passé, de le rendre intelligible, de le connaître scientifiquement, de le comprendre. Mais pour comprendre, il faut étudier les causes et les conséquences, trouver un lien logique entre les événements. L'histoire, c'est donc à la fois ce que nous avons vécu et la représentation qu'on en a aujourd'hui de cette réalité. Comment tes arrière-petits-enfants comprendront-ils, interpréteront-ils la pandémie de 2020 ? Quels chiffres retiendront-ils ? Pour eux, cet événement aura peut-être trouvé des causes, alors que pour nous, elle reste encore très floue. Bref, ils risqueront d'analyser l'événement en fonction de leur environnement à eux, de leur compréhension du monde à eux, qui sera bien différente du nôtre. Le recul historique nous montre souvent une histoire cohérente, aplanie, lisse, où des conséquences découlent logiquement de causes, et bien souvent, on n'y trouve rien à redire. On l'admet aveuglément. Enfin ça, c'est sans compter sur les historiens, qui eux, ne cessent de retravailler les sources pour leur faire dire ce qu'elles n'ont pas encore révélé. Parce que non, l'histoire ne consiste pas à associer une date et un événement. Pour faire vraiment de l'histoire sérieuse qui a du corps et qui est intéressante, ne devrait-on pas commencer par fréquenter les personnages historiques avec la plus grande humilité, par tenter de comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit l'événement, par s'immerger dans l'état d'esprit de l'époque et du lieu, dans le contexte en somme. En fait, l'histoire c'est un voyage. Un voyage dans le temps, mais un voyage profond. Pas un voyage en tant que touriste, où on voit à partir de notre propre perspective. Non, un voyage où tu te coupes de tes représentations habituelles, où tu essayes de t'immiscer le plus profondément et de comprendre, au-delà de tes habitudes, comment est-ce qu'on peut penser autrement dans une autre époque, avec un autre contexte géographique et temporel ? Revenons justement à la source de l'histoire. Si un grec entend le mot « histoire », il comprendra « enquête ». C'est le titre du livre d'Hérodote. Hérodote, qu'on considère souvent comme le père de l'histoire. Historia, enquête sur les causes des guerres passées. Cette enquête consiste à reconstituer ce qui n'est plus, les événements, mais pas que les événements, aussi les mœurs, les idées, les conceptions, les valeurs des hommes du passé. C'est seulement à travers cet éclairage que l'événement prend tout son sens. Mais c'est un éclairage difficile à ajuster. Comment garantir l'objectivité de l'enquête ? Comment faire en sorte qu'elle soit une véritable connaissance et pas juste une interprétation ? Hérodote lui-même a cette exigence envers son propre travail. Bien sûr, il ne s'agit pas de créer des légendes, des mythes ou autres récits peu véridiques qui nous arrangeraient. Non, au contraire, on recoupe les sources et les témoignages. Il veut s'approcher de l'éclairage le plus juste. Car la mémoire n'est pas toujours la meilleure historienne.
ceux qui ont vécu l'événement sont partiaux, car ils prennent parti, et partiels, car ils n'ont pas tout vu et ils ne se souviennent pas de tout. Il faut donc se méfier de la subjectivité des témoins. Subjectivité des témoins, oui, mais il faut aussi se méfier de sa propre subjectivité. Eh oui, l'historien, malgré toute sa bonne volonté, reconstitue un sens cohérent au passé, à partir de son point de vue présent, à partir de sa situation actuelle, à partir de sa situation culturelle, géographique, temporelle et sociale, et à partir de ses propres intérêts, qu'il le veuille ou non. C'est plus fort que lui. Par exemple, un historien favorable à la royauté d'Ancien Régime n'écrira pas la même histoire de la Révolution française qu'un historien partisan des sans-culottes. Tous deux s'appuieront sur les mêmes faits, articuleront plus ou moins la même chaîne de causes et de conséquences, mais ils y apporteront un éclairage différent. Très différent, voire opposé. Mais de telle manière que l'un ne sera pas meilleur que l'autre, ils seront juste différents. De même, tandis que l'histoire allemande considère les États-Unis globalement comme une puissance qui a aidé, par le plan Marshall par exemple, et protégé par l'OTAN, l'histoire française, elle, ne voit pas ça pareil. Elle est influencée par la politique d'indépendance de De Gaulle et voit plutôt en ce pays un impérialisme hégémonique. Une même réalité, mais deux perspectives qui toutes deux se valent quand on les remet dans leur contexte. Si l'historien peut éclairer le passé de différentes couleurs selon sa position, il est essentiel cependant qu'il argumente ses thèses et reste ouvert au débat critique avec la communauté scientifique. Si, au contraire, l'histoire ne s'ouvre pas à la contradiction, au débat, à la divergence de points de vue, alors là, son enseignement risque d'être instrumentalisé. C'est bien ça le risque. Stigmatiser l'histoire et en faire un coffret quasi sacré de dates et de faits aux interprétations immuables et statiques. En faisant ça, en stigmatisant l'histoire, en la figeant, on octroie un sens à l'histoire, c'est-à-dire à la fois une signification unique et univoque, et une direction, un objectif, une destinée. Mais à partir du moment où on prétend avoir compris le sens de l'histoire, à partir du moment où on croit être détenteur de la vision historique seule légitime, on se sent aussi légitimé de l'imposer au reste de la société. Et à partir de ce moment, l'histoire peut être extrêmement dangereuse. L'histoire peut justifier ce que l'on veut, y compris les pires atrocités. Dans la plupart des pays, le modèle d'histoire a été le reflet d'une mémoire collective, contrôlée et sanctionnée officiellement par l'État-nation. Une histoire instrumentalisée, en somme, qui ne reflète pas les divergences de perspectives, les divergences d'éclairage que l'historien prend la peine de démontrer. En quelque sorte, ils contenaient et contiennent bien souvent encore une autobiographie collective de leur pays respectif. Et cette autobiographie justifiait bien souvent les positions et les partis pris de la propre nation. C'est par les manuels d'histoire que les jeunes générations apprenaient, et apprennent parfois encore, malheureusement, ce que l'on entendait par « nous » et ce qui était considéré comme « les autres ». Pourvu qu'à l'instar du manuel d'histoire franco-allemand, on puisse multiplier nos perspectives croisées et laisser l'histoire se faire en mouvement sans jamais être emprisonnée et figée. Ce premier manuel binational existe entre la France et l'Allemagne. Et il a toutes les chances de devenir un modèle pour d'autres pays, des pays qui comprennent que les mémoires divisées ou l'histoire divisée risque de compromettre une meilleure compréhension et coopération dans l'avenir. Et toi, qu'en penses-tu? Perçois-tu le risque d'une histoire figée, mémorielle et quasi sacralisée?
Et au contraire, vois-tu le potentiel de coopération et d'ouverture que l'histoire en mouvement nous offre?